À l'approche des fêtes, on pense aux plus démunis et ce matin à 10h débutait à Paris la collecte de denrées alimentaires. Des centaines de bénévoles se sont mobilisés pour participer à cette opération organisée par les associations caritatives. Jean-Pierre Anquiri. Un camion de la ville de Paris aujourd'hui devant chacune des 20 mairies d'arrondissement et des bénévoles pour assurer la collecte au profit de la banque alimentaire. Conserves, pâtes, café, fruits secs, des produits non périssables. Du sucre. Pour l'instant, ça marche très bien. Nous avons été témoins, les Parisiens se sont déplacés très nombreux pour apporter leurs dons. Les 12 marchés couverts de Paris se sont associés à cette collecte et des représentants de la banque alimentaire sont venus suivre les opérations. 1500 associations en France qui elles-mêmes font des repas pour les pauvres. Nous n'achetons jamais aucun produit alimentaire, nous demandons au public de nous donner des produits. Cette année nous allons récolter 15 000 tonnes, ce qui représente 30 millions de repas finalement. Dans les marchés couverts de Paris, vous pourrez d'ailleurs déposer vos colis encore plusieurs jours puisque la collecte se poursuivra jusqu'au dimanche 13 décembre inclus. Une belle occasion pour les Parisiens de manifester en ce début d'hiver leur esprit de solidarité.